Bonsoir. Bonsoir, bienvenue pour cette série pour cette séance, pardon. Quadriceps, on va travailler sur les quadriceps, les fessiers, un petit mouvement pour le dos, mais on va accentuer donc quadriceps fessiers. Donc, je vous laisse le temps de mettre un petit peu de musique. Je ne mets plus de musique parce qu'en fait, j'ai eu des rappels à l'ordre par YouTube et la SACEM. Donc, pour éviter quelques soucis. Je vous laisse mettre votre musique. Donc, on va commencer par l'échauffement et on enchaînera directement sur les quadriceps. Tout le monde est prêt? Allez, c'est parti, on y va doucement. Pointe de pied à droite et on y va tous ensemble. Et allez, 10. Et 8. On n'oublie pas, on aspire le nombril, on contracte le transverse. On s'auto-grandit. Allez. On continue. Allez, montez sur une jambe. Pardon, 4, 3, 2, 1. Et on change de côté en 10, 9, 7, 6, 5. Auto-grandissez-vous. 2, ah, et on va monter les genoux et 10 en alternance. 9, 8, 1, et attention, 10. On change de côté en 10. On pose pointe de pied. Ok. On pose les pieds au sol. On inspire. On part sur votre côté droit. Et 10. Dos droit, on descend. Faites une petite torsion là. Twistez au niveau du dos. Dos droit, aspirez le nombril. Et du même côté. Allez, on descend, on va toucher les orteils. Auto-grandissez-vous. Et on change de côté. 10. Un, on remonte. Et 10. Faites une torsion. Aspirez le nombril. Épaules basses, faites-y attention. Et on va vers le haut en 10. 2. Et on est 10, 9, 8, on monte bien là. 4, 3, 2, 1, change de côté, 10. Deux, un, on revient au centre. Inspirez, allez, on garde le bassin fixe. Et on regarde derrière soi. On échauffe. Ah, on revient au centre, on relâche. Allez, tout le monde est prêt. On va partir sur les squats. On va faire quelques séries pour s'amuser, d'accord? On écarte légèrement. Un petit peu plus large que le bassin. Pointe plutôt vers l'extérieur que l'intérieur. Fais attention de ne pas ramener le genou au centre, mais bien sur l'extérieur. C'est parti, on s'auto-grandit. Quand je descends, j'inspire.
Périnée transverse, fessier, on remonte. C'est parti, allez go. C'est parti tous ensemble. Pas trop vite au début. Épaule basse. On continue. Soufflez bien longtemps. Poussez bien le fessier vers l'arrière. Là, pour la descente, repérez maximum ici. Quand les genoux touchent les genoux. Quand les coudes touchent les genoux. Encore 10. Périnée transverse, souffle. Allez, 4. 3, c'est bon ça. Ne lâchez rien. 2. 1, j'inspire. Et des petits 10. Poussez bien le fessier en arrière. Allez, encore 10. Trois et deux et un. Inspire, je remonte, expire. Je vous fais voir sur le côté ce que ça donne. C'est reparti. On continue. Et 10. Soufflez bien longtemps. Allez, la dernière en 10. On reste à position basse, inspire. Allez, cherchez. 6. Ça chauffe, ça brûle, ça travaille. Les derniers en 10. On inspire, on remonte. On relâche. Voilà, deux belles séries, bravo. On récupère, on prend de grandes inspirations. On va faire un petit travail des fessiers debout. Donc, on va travailler grand fessier, petit moyen fessier, le côté de la cuisse. Donc, vous vous grandissez, les épaules basses, genoux déverrouillés. Commencez sur votre côté droit. Allez, inspire. Transfert d'appui. On décolle le pied du sol, inspire. Allez, expire. 1, 2. Contractez le nombril. Enfin, inspirez le nombril, contractez le transverse. Un et des petits. Un en bloc. Autograndissez-vous, aspirez le nombril. On redescend avec la jambe sans poser. Montez de genoux. 10. Regardez un point fixe. Un, deux petits mouvements, 10. Un,
un bloc. On redescend, on ne pose pas la jambe. On va faire basculer la jambe vers l'arrière et 10 contractions du fessier. 9, 8, on est sur le grand fessier. 6, 4. On laisse la jambe en arrière, on contracte des petits mouvements. 10. On bloque, on contracte. On revient. Pause, on change de côté. Inspire, transfert d'appui. Expirez. 1. 2. Pied flex. Pointe vers le bas. 3. 4. 5. 9. 10. Des petits 10. 5. Un bloc. On revient au centre, on remonte les genoux vers le ciel et 10. 6. 2. 1. Des petits mouvements. 10. 3, 2, 1, bloc. On redescend en arrière, contraction fessier, inspire, expire, 1. Aspirez le nombril. 7. Des petits mouvements, 10. 4, 3, 2, 1, bloc. Et on relâche. Voilà un bon échauffement, on va continuer les fessiers au sol. On va commencer en se mettant sur le latéral. On s'allonge. Vous pouvez plier la jambe de sol si vous le souhaitez. À chaque fois, vous gardez le transverse contracté. On pousse la jambe du ciel vers le mur. Pour recaler le bassin, c'est parti. Vous pouvez vous mettre comme cela aussi. 3, 2, 1, contraction transversée, soufflez, 1. Pied flex, la pointe de pied vers le sol. 4. 5. Contractez le transverse, 11. On continue, 12. 13, on fait des séries de 20. 16, 17, 18, 19. Allez, on y va, on reste en position. Des petits mouvements, pas des tout petits comme ça. Il faut faire les petits mouvements. 1 et 10. C'est bon, ça, on continue. 4, 3, 2, 1, bloc. Et on y retourne, deuxième série, et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ne relâchez pas le transverse, 1 et 10, pied flex, 9, 6, plus haut, 5, faites attention, 4, 3, 2, 1, des petits 10. 3 et 2 et 1 et 10. 3 et 2 et 1 et bloc. On redescend la jambe sans la poser. Si on peut, on inspire. Montez de genoux en 10. Montez plus haut. Flex, pointe, flex. Coordination, pointe, flex. Encore 10, 9, on va aller chercher ses fessiers, 6, 5, 4, contractez le transverse, je vois que ça relâche, 2, 1, des petits au niveau du buste, et 10, 9, 8, 6, montez pas trop haut, 5, 4,
2 et 1 et 10 et 9. Et se transverse. 1, bloc. On allonge la jambe. On va partir un petit peu de l'arrière en pied flex. Nous resterons en pied flex. Et on vient au niveau, là, hop, de la poitrine. 2, on ne touche pas le sol. Allez, transverse. À chaque fois qu'on revient. Et on continue en 10. On fait des séries de 29. 1, on bloque. On revient au début. Deuxième série, c'est parti. Et 10, 9, 8, 7. Pied, pointe de pied vers le sol, talon vers le ciel. C'est ça. 4, 3, 2, 1, et des petits en 10. Et 2 et 1, bloc, aspirez le nombril. On redescend, remontée de buste en 10, 9, 2, 1 et on repart sur 10, 8. Ça chauffe, c'est bon, on ne lâche pas maintenant, hein. Ce serait dommage. 5, c'est là où ça travaille, ça chauffe. 2, 1, des petits tours. 3 et 2 et 1 et 10. 4 et 3 et 2 et 1, on bloque. On allonge la jambe sans poser au pas de l'arrière. Pied flex et 10, jambes tendues, 9, contracté, le transverse, 6, 5, 1, et on retourne sur 10. Et on bloque. Inspire, expire, on revient. On pose, change de côté. Alors, on fait attention à son positionnement. On pousse la jambe de ciel vers le mur. Comme ça, on calme le bassin, on peut plier un petit peu la jambe ou pas. Pied flex, pointe de pied vers le sol. 3, 2, 1, j'inspire. Transverse, essoufflez. 1. Transverse tout le temps. 10 et on continue en 10. 1 et des petits, 10. Contractez le transverse. Et 1 et bloc. On redescend sans poser. On va remonter le genou vers le buste en soufflez 10. Pied flex, 9, 8, 7, 6. Pointe flex. Pointe, flex. 1 et 10 de plus.
Un et le petit tour 10, c'est 9 et 8. Contractez. 1 et 10. Montez-le quand même, ce genou vers la poitrine. Un bloc. On allonge la jambe, on pose pas, on prend un peu en arrière, toujours au pied flexant, 10 jusqu'à la poitrine devant. 9, jambes tendues. Contractez le transverse 6 à chaque fois que vous venez vers la danse. Un, et on repart sur 10. 8. Encore un peu, 3, 2. Un bloc. Inspire, expire, je reviens, je ne pose pas. Et on repart sur le premier exercice. Inspire, expire. Un. Et 10, on continue. 11. 14. 20 des petits 10. 3, 2, 1 et 10. 9. 5 et 5. 2, 1, bloc. On redescend sans poser, on plie genou vers le buste. 10. 9. Pointe, flex. Pointe, flex. Ça chauffe un peu. 4. Petit moyen fessier. Là, on va aller chercher. 1 et 10 de plus. On aime ça. 9. 8. Aspirez le nombril. Autograndissez-vous. 5. 4. 3. 2. 1. Les petits mouvements. 10. Contractez le transverse. 1 et 10, on y va, 9. Ne lâchez rien. 2, 1, bloc. Extension, pied flex. On part de l'arrière, jambes tendues jusqu'au niveau de la poitrine en 10. Et vous contractez le transverse en venant en extension. Et 7. Et 6. N'oubliez pas, 4, 3, 1, et allez, encore 10, ce sera les derniers, donc on les tient à 9, 8, 6. On bloque devant. Inspire. Expire, je pose. Allez, va. On prend ses genoux dans les bras, on étire. Respirez profondément. Relâchez le corps, les muscles. Relâchez au niveau du mental, relâchez au niveau de l'émotionnel. On expire, on souffle tout. On profite pour tout relâcher. On passe au mouvement suivant. Donc, je vous rappelle que ce sont des séances de 30 minutes. Donc, qui dit plus court, dit un petit peu plus intense. Et plus ça ira, moins on s'arrêtera. Pour aujourd'hui, on reprend doucement, d'accord? Allez, vous démarrez sur votre jambe droite. Inspire. Alors, si besoin, vous faites une petite rétroversion. Faites attention de bien avoir la tête hors des épaules. Donc, je pousse les épaules en arrière. On inspire. Périnée transverse. Et expire. Un. On revient jusqu'au genou et on tend la jambe au maximum. 4. 5. 6.
Elle est facile, là on est sur du repos. C'est en contracte 10. 9, contracté transverse. Grand fessier en travail, 3, 2, 1, des petits, 10. Contractez le fessier volontairement, 2, 1 et 10, 9, 6, 5 et 5, 2, 1, bloc, on plie la jambe, pointe vers le sol, donc pied flex, inspire, on monte le talon vers le ciel, 10, 9. Aspirez le nombril. Plus haut, 4, 3, 2, 1 et 10. 5, 4, 3, 2, 1, bloc. Deuxième série en 10. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 3, 2, 1 et 10. 3, 2, 1, bloc contraction. Pied flex, on plie la jambe, talon vers le ciel, 10. 3, 2, 1 et 10, on y va. On lâche pas. Un bloc. On repose tranquillement. Pas de répit, on continue l'autre jambe. Allez, 10, la gauche pour vous. 9, 8, 7. Flex, point. Flex, point. Aspirez le nombril, contractez les fessiers et le quadri. Et 10 de mieux. 2, 1, jambes tendues, contraction, quadriceps, fessiers et 10. 1 et encore 10. 3, 2, 1, bloc, contraction volontaire. Pied flex, on plie la jambe, talon vers le ciel et 10. Autograndissez-vous. Aspirez le nombril. 1 et 10. 5 et 5. 2. 1, on bloque. On redescend sans poser. Et on recommence 10. Aspirez le nombril, 4, autograndissez-vous, 2, 1 et 10. Contractez. Un jambe tendu, contraction volontaire, 10. 2, 1 et 10. Allez, on lâche pas. 1, bloc, contraction volontaire. Pied flex, on plie la jambe, talon vers le ciel, 10. Autograndissez-vous, aspirez le nombril, ne relâchez rien. 5, 4, 3,
de 1 et 10. 3, 2, 1, bloc. On relâche. Position de l'enfant, écartez les genoux, étirez-vous. Allez, étirez-vous, prenez de grandes respirations, réoxygénez tout le système. Relâchez les tensions dans le sol, par le front. On relâche les tensions sur chaque expire du front à la terre. Et en inspirant, on prend l'énergie de la terre et on se remplit avec. Donc, expire toutes les tensions émotionnelles, mentales. On les laisse partir dans le sol. Et à l'inspire, on récupère l'énergie de la terre et on s'ennuie. Allez, dernier petit exercice pour le quadriceps. Faites attention à ce mouvement. Écartez les genoux largeur bassin. Ainsi que les pieds. Épaules basses, inspire, expire, je remonte. C'est parti, on ne va pas en faire beaucoup, ça va chauffer. On peut faites attention de ne pas venir faire ça. On descend les épaules, tout le reste suit. C'est parti, inspire, inspire, je contracte au maximum quand je remonte. Deux. Contractez bien le transverse en montant. 8, il n'en reste que 2. Et 10, on pose. Ça, c'est bon pour finir. Voilà. Donc, nous avons fini la séance quadriceps fessiers. Bravo. Belle série, assez intense. À répéter 2 à 3 fois semaine, comme ça, on est sûr que on va chercher les muscles, on ne laisse pas trop se reposer et on progresse très 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 vite. 2 séances, c'est très bien. Si on en fait 3, c'est le top de chez top. Donc, 2 séances minimum, 3 séances. C'est le maximum et ce sera très bien. Vous pouvez vous envoler sur 4 séances, ce sera que bénéfique. En attendant, on va étirer nos quadris. Et ensuite, on étirera. Vous pouvez retirer vos chaussures, ce qui est quand même plus agréable quand on fait les étirements. Donc, je mets mes mains posées en arrière, mes doigts regardent les orteils. J'ai les épaules basses, je m'auto-grandis, et je monte, je décolle mes fessiers des talons, mon bassin vers le ciel. Je peux m'étirer comme ceci. Pour les plus aguerris, plus souples en fait. Là, je viens de poser l'étirement des quadriceps, les 4 muscles qu'il y a sur l'avant des cuisses. Si je n'ai pas de problème au niveau du bas du dos, hop, et ben je descends tranquille, allez, 40 secondes par étirement. Allez, on est bien, on pense à autre chose. On fait attention de descendre là. Comme si on faisait une petite rétroversion pour plaquer ses lombaires au sol. Vous, mesdames, qui êtes super cambrées, faites vraiment la rétroversion. Allez, on continue un petit peu. On est bien. On inspire profondément, façon abdominale. Souffle, on relâche les tensions. On s'auto-grandit. Inspire. Souffle, on relâche les tensions physiques, mentales, émotionnelles. On met tout dans ce souffle qui libère, qui évacue. Allez, on vient s'asseoir sur les talons avec délicatesse, n'est-ce pas? On se met à 4 pattes, du pied de riz.
quadrupédie. Là, on le fait ensemble. Je fais glisser ma jambe, mon genou droit vers l'avant, au maximum, je descends mon bassin. Arrivé là, je pose, j'amène mon pied sur le côté du tapis et j'amène le genou de l'autre côté du tapis. Genou ici, pied ici. Je pousse ma jambe bien droite vers l'arrière. Je ne fais pas de griffe, je relâche. Et je peux rester comme ceci, sur les avant-bras, ou encore allongé complètement. Ça, c'est au choix. C'est parti. Pour être plus souple, vous pouvez prendre le pied et remonter jusqu'à la poitrine, si vous y arrivez. Étirement des quadriceps, des fessiers. L'avantage sur cet étirement, c'est d'étirer le nerf sciatique, surtout pour celles, ceux qui restent longtemps en position assise. On appelle ça les petites douleurs. Une sciatique assise, qui n'est pas une vraie sciatique, mais une sciatique assise, parce que le muscle vient comprimer le sciatique. Là, vous avez une solution. Encore un petit peu. Toujours 40 secondes par étirement. Si on fait 50, une minute, ça va. On revient sur la paume de ses mains. Là, au niveau des genoux, on pose la paume des mains. On se grandit. On plie. Et avec le bras opposé, on étire. Vous pouvez pas, par exemple, faire du même côté. Trouver un équilibre surtout. Étirement des quadris. De façon plus conséquente. Continuez. Et on relâche doucement. On repose la paume de main au ciel. On se relève un petit peu. On se met à quatre pattes. On fait glisser le genou vers la main. On amène sa pointe de pied sur le bord du tapis. Et le genou sur l'autre bord. Et je descends, je descends, je descends, je descends. En général, nous avons le talon au niveau de l'aile. Allez, on pousse bien la jambe en arrière. On visite son schéma corporel pour informer le cerveau de la position. Est-ce que j'ai les jambes bien droites? Est-ce que j'ai le pied sur le côté à l'intérieur? Est-ce que je suis bien pour l'autograndissement? Étirement des fessiers, étirement du sciatique. Allez, on se redresse la paume de main vers au sol, vers les genoux. Je prends le coup de pied et j'amène vers le fessier. Je m'autograndis toujours. Hein. Étirement des quadriceps un peu plus conséquent. De façon plus conséquente, c'est plus joli. Encore un petit peu. Inspire, expire, je relâche. Et cette fois-ci, je fais glisser ma jambe en arrière. Et je viens déposer délicatement mon pubis au sol. Et je m'autograndis. En descendant les épaules, les omoplates, étirement du transverse. Si c'est difficile, je peux mettre mes avant-bras au sol. Ok. Étirement du transverse, on prend de grandes inspirations abdominales.
on se met à quatre pattes et on étire. On laisse les bras devant, on cloche, les mains en cloche, et on pousse le fessier vers l'arrière, on a écarté les genoux pour poser l'abdomen, la poitrine. On fait basculer les bras sur le côté en arrière. On relâche les omoplates sur l'extérieur. Front posé au sol. On récupère. Allez, vous récupérez, vous inspirez profondément. Tout se relâche, tout se détend, ça fait du bien. Vivez à chaque fois dans tous les mouvements. Que ce soit dynamique, que ce soit statique, ce qui n'est plus le mouvement, mais même en statique, que ce soit dans les étirements, ayez toujours l'esprit relié au corps. Tout est rythmé par la respiration. Et on prend conscience de son schéma corporel et de ce qui se passe quand on travaille les mouvements. On inspire profondément. On souffle. Vous pouvez vous asseoir sur les talons, bien droit, les épaules basses, la tête droite. On prend une grande inspiration. Rétention. Expire lentement, doucement. Revenez sur une respiration naturelle, sans effort. Et on prend conscience d'un corps calme, relâché, d'un esprit détendu. Sur la prochaine expire, je peux ouvrir les yeux. Mesdames, messieurs, c'était un plaisir de partager cette séance avec vous. Je vous reverrai avec plaisir la semaine prochaine, mardi pour le Pilates, jeudi pour le renforcement musculaire. N'oubliez pas, deux fois par semaine, boostez-vous pour le faire, vous aurez des progrès très rapides et voire trois fois. Amenez tous les amis pour le faire ensemble, ce sera chouette. Passez une très très belle soirée, une belle fin de semaine, je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine, au revoir.